Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Fate Unlimited Codes. Donc, on va continuer les aventures des persos. Donc, pour la découverte, on avait fait la route de Saber, l'arcade. Donc, on va continuer. Donc, j'ai fait vite fait 2-3 tests. J'ai eu un petit souci avec une toule. Donc, là, on va aller faire celle de Berserker. Et normalement, là, il y aura pas de souci de saut d'image. Donc, logiquement. Donc, allez, c'est parti. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il est ici? Est-ce qu'il est là pour se battre encore? Il n'a pas idée de qui il est. Il n'y a aucune raison de savoir pour lui. Et même s'il le fait, il ne comprendrait pas. Quelqu'un a pris son habileté de comprendre, mais il ne pourra jamais on va dire l'occuper en faire usage. Il a été utilisé pour être un héros. La légende de sa force et de ses batailles avec les dieux sont admirées de tous. Mais la mémoire de ses jours ont complètement disparu de son esprit. Tuer, détruire, une terrible rage bouille à l'intérieur de lui. Maintenant qu'il n'est rien d'autre qu'un berserker qui ne peut pas rester à la voix qui rage à l'intérieur de lui. Cependant, dans son cœur de rage pure, il y a une certaine place de tranquillité. Cette voix parle, une voix froide, je veux dire froide et The Shocking Smell of Blood, je sais pas si qui le parcourt de l'intérieur. Ah voilà. Ouais, qui sentait le sang. Berserker, tu es tellement fort. Voilà. Oh, l'image, elle est incroyable. La voix si fragile et la voix est fragile et innocente, ça lui avait de ses mémoires qu'il avait scellé au plus profond de lui. La lamentation et le regret de ses jours passés. Le bottomless, je sais plus ce que c'est, on va dire le désespoir de ne pas avoir la capacité de protéger celle qu'il aimait. Il veut la protéger, il n'échouera pas cette fois-ci. Il est résolu. Sa résolution est celle d'un héros qui flotte parmi les profondeurs de la folie. Et il se tient en face de cet ennemi faible qui essaye de tuer la petite à ses côtés. Sa main qui tient c'est une sorte de grosse, on va dire, épée avec rage. Sa colère bouille en lui. Et j'ai pas eu le temps de lire, bah va te faire foutre. Ok, il va l'écraser, il va le tuer, il va révéler sa violence. Aucun ne prendra la petite. Allez, c'est parti pour Assassin. Allez, let's go. On est déjà à 2 minutes 40, c'est tellement rapide. Et genre que moi j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Allez, ah, ça va, j'ai plus les bugs de saut d'image. Yale, yale, daze. C'est Assassin Kujo. Wonder One. Oh, la voix de Kotomine. Ah oui. Oh là là, incroyable. Bon, je me rappelle plus, je suis pas un pro du jeu, donc on va jouer comme on peut. On va taper vraiment bourrin, hein, parce que Berserk. Ah oui. Ah merde. Je sais que ça c'est la rage. Ouais, je peux pas dash en fait, c'est trop genre. Voilà, un petit perfect. Alors c'est vrai que dans le mode arcade, les ennemis sont pas très forts. Oh, avec Iliasville. Il répond par... Oh. Ça me fera toujours marrer Berserker. Et on affronte Rin cette fois-ci. Ok, let's go pour affronter Rin. Ah, j'ai pas vu les attaques. Oh, il y a Ilia. Basaka. Oh là là. Normalement, la rite se fait fumer en 2 secondes. Oh, tiens, j'ai l'impression de refaire comme les vieux jeux de combat parce que tu pouvais pas dash. Voilà. Rin n'a aucune chance. Allez, hop là. Oh, je me suis pris un coup.
Oh, elle m'a fait une chope. Oh là là, incroyable. What? J'ai pu... c'est vrai que comme je suis sur un émulateur PSP, je peux dash. Donc je peux. Merde, j'ai voulu tenter faire un ulti, mais je sais plus comment on fait. Parce que oui, on peut faire des ultis qui sont un peu les nobles fantasmes. Et le souci, bah c'est pas facile hein, pour les mettre en place. Parce qu'il faut que je remplisse ma barre, mes trois barres, que je remplisse la barre, le Saint Graal qui est au milieu. Et après, je sais plus c'est quoi la touche précisément. Donc là, on affronte Archer. Donc Parce que normalement, si je regarde vite fait, ça prend juste 2 secondes. Holy Grabber Super Mode, voilà, donc c'est SPA, c'est le X. Et si je dis pas de bêtises, donc c'est bas droite, haut. Si je fais haut, c'est le rond. Donc après, oui, c'est vrai, je pourrais faire lui. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça au niveau des touches. Oh là! Oh là, j'ai fait Berserkerage, j'ai un peu trop spammé et tout. Ah, je vais tenter de refaire un truc, mais j'ai pas réussi. Voilà, c'est ça qu'on aime. Oh, c'est vrai que je peux faire différentes techniques. Et quand on connaît pas parfaitement le perso, c'est vrai que c'est assez compliqué. Oh, j'étais pas loin des 3 barres pour essayer de montrer. Manda. Pour le moment, il n'y a pas de discussion. Donc après, c'est vrai, il n'y a pas grand chose. Bah, après, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, on affronte Saber dans la forêt d'Iceberg. Ah! Il arrive, Saber, est-ce que tu es prêt? Et toi? S'il te plaît, ne quitte pas cette position avant que la bataille ait commencé. Qu'importe, je ne vais pas. Je vais pas laisser faire Berserker. Il est aveuglé par une radiance argentée. C'est un chevalier dans une armure extrêmement sublime. Sa stature délicate réveille ses instincts. Dans Overriding, je vais pas le traduire. Il a déjà affronté contre des ennemis de ce genre, mais il s'en bat les couilles. C'est un ennemi dangereux et elle fait peur, la petite. Donc, lui va les déglinguer. Le héros rugit et au moment où il se lance lui-même à elle, il n'y aura aucune pitié, il n'y aura que la mort. Il n'y aura pas de pitié, que la mort. Donc ça me fait un peu penser aux événements du 1. De la route de Fate de base. Mais là ça changera un peu parce que les jeux de combat sont différents. One. Oh, Kotomine, tu me fais bander. Voilà, je vous dis clairement. Oh, elle bloque. Oh, elle bloque. Merde, je voulais faire un enchaînement. Ouais, voilà, donc les ennemis commencent à réagir un peu plus rapidement. Bon, pas trop, je l'ai quand même massé. Oh, bien joué. Voilà. Ça, c'est pour me rapprocher plus rapide. Ouais, j'arrive encore à faire le super. Ouais. Non. Allez, arrête. Ah merde. Comme j'ai modifié mes touches, bah ça marchera pas. J'ai tenté de montrer l'outil, mais
J'essaie de vous le montrer juste après. Allez. Bon, j'ai un peu merdé, c'est pas grave. Oh là, la rage. Ah, contre Caster. Est-ce qu'on va avoir une ligne de dialogue ou pas du tout? Je pense pas, mais... Allez, c'est parti. Il rage instant. Il a shy. Ok, on va juste changer ça. Non, défaut, pardon. Et ça fait que si je regarde, c'est bas droite, rond. Ok. Oh ouais. Putain, si il me déclenche. Ouais, j'avais vu. Après, est-ce que comme c'est Berserker, il est long, tu vois? Parce qu'il fait quand même de gros dégâts. Allez, casseur. Oh là, ça c'est un bel enchaînement. Mais je pense, ouais, je pense que c'est pour ça. C'est que Berserker, il est... Il est, comment dire, il est assez long dans son combat. Attends. C'est vrai que... Il est très très long. Dommage, j'essaie. Bon là, elle attaque pas du tout, ma... ça me fera toujours marrer quand on bat un ennemi qu'on se déchaîne juste après alors qu'on l'a battu, quoi. Ah, oula. On affronte Sakura. Version... version un peu corrompue, quoi. Oh là là, ce sourire de Sakura avec les yeux dans le dos. Et on est dans sa caverne. Oh, avec derrière... je sais plus comment il s'appelle le gars qui d'ailleurs on le retrouve dans Fate Hollow Ataraxia. Hein. Bon, aussi dans la troisième route, mais il ressemble à rien. Ouh, les dégâts. Bon, ça... Allez, ça c'est fait. En tout cas, l'arène est vraiment cool. Oula. Elle est morte de rire alors que je la frappe. Ça me fait assez marrer. C'est vrai que Berserker fait très très mal hein. En dégâts, c'est vraiment le gros perso qui fait des grosses attaques bourrines, mais qui est bien lent. Alors Bazette, on apprend de Bazette. Bazette qui se trouve dans Follow Ataraxia. Donc pour ceux qui ont vu que on va dire la route principale de Fate, bah ils doivent pas connaître. Donc Fate 2006, BW et Advanced. Même si très peu de gens ont vu Fate de 2006. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais parmi la nouvelle génération qui ont découvert grâce on va dire à Netflix et tout ça, bah ils font pas l'effort. D'aller regarder Fate 2006, qui est incroyable. Que j'ai beaucoup conseillé à beaucoup de personnes quand même pour Fate 2006. Et qu'ils ont beaucoup aimé. Bon, allez, ça c'est fait. Ah, c'est dommage. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir remplir Merde, va bien, merde. Ah. Ah voilà. Oh c'est bon, j'ai aussi à le faire pour vous. C'est bon, j'ai fait le... On va dire le noble fantasme. L'attaque spéciale. Le ex.
Ah, je suis vraiment content parce que la dernière fois avec la route de Saber, j'ai dû lancer un mode d'entraînement pour pouvoir le montrer parce que j'avais pas réussi. Mais là, j'ai réussi à vous le montrer, je suis assez content. Et là, on affronte Gilgamesh, les amis. L'homme qui brillait d'or se tient derrière le héros qui est, oui, le dieu, oui, je sais plus comment il s'appelle, qui est soit un démon, soit un dieu, soit un dieu, un démon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu? Tu te fous de moi, hein? Tu peux pas dire juste. Tu peux pas savoir juste en voyage, je suis un esprit héroïque que tout le monde connaît. Eh ben, tu es inconnu pour moi. Clu, je sais plus si, mais. Ouais, j'ai aucune conscience de qui tu es. Il n'y a aucune raison que tu peux être un savant et que je ne connais pas. Je vois. Il est donc faible dans cette guerre du Saint Graal, hein. Vous êtes résolu avec. Ouais, il doit dire que c'est une erreur. Non, non, non! Oh Dieu, je te déteste. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste dépêche-toi et ouvre-le. Tu vas être ma cinquième victoire après tout. Il n'y a pas de doute, cet homme est le plus maléfique et puissant de tous les ennemis. Le scintillement rouge dans ses yeux dit que ce héros, que Gilgamesh veut tuer la petite à ses côtés. Et il a, on va dire, il a déjà une heure de victoire. Il sait que c'est pas un ennemi normal et il va prouver. On va dire qu'il est le pire en tant qu'héros et qu'il va s'élever. Merde, j'ai pas le temps de traduire en ordre pour protéger. Ouais, il ne doit pas perdre sa position. Ouais, il doit pas perdre sa position. Sa rage s'intensifie. Le héros sans raison, Spur, je sais pas, je connais pas ce mot. Ouais, on va dire sans rage avec des intentions de tuer. Est-ce qu'il va dire un truc, Gilgamesh? Et ça va être la bataille finale. Il sait maintenant que la petite l'a invoqué pour détruire l'homme en or. Ok. Je foire un peu on va dire la langue de Shakespeare, si on peut dire ça. Oh là là, Gilgamesh, l'air autant. Allez, c'est parti pour affronter Gilgamesh. Oh là. Ah merde. Oh, il m'a écrasé. La piétine. Oh. Allez, ça c'est fait. Oh, j'aurais pu refaire un enchaînement. Faut essayer de le garder pour le prochain tour. Merde, bien joué. Ça c'est bon. Allez. C'est un bouffier, on va dire. Je l'ai bien fini. Et c'est la victoire. Donc on a fait. Voilà. On a fini avec Berserker. La bataille est finie. Fin. Son corps est, on va dire, un nombre incalculable, est taché d'un nombre incalculable de blessures. Et même si c'est un ancien boulder, je connais pas. Ok, ah, il sait pas si c'est son sang, celui de son ami. Une blanche. Ah ouais, un doigt blanc fragile qui le touche gentiment. C'est blessure de guerre. Tu es vraiment le plus fort jusqu'à la fin. Oh, Pasaka! Ah, la Protectilia, comme la voix filet, on va dire, avec innocence et praise. Et douce, on va dire. Atteint les profondeurs de son cœur. Une sensation qui vient le frôler. Ouais. Bon, c'est dommage que je gave la traduction. Avec son cœur bestial, ouais, voilà, il commence à changer. Une sensation que l'héros n'avait pas ressentie depuis très longtemps.
que je dois y aller, donc c'est au revoir. Merci pour tout, Berserker. Oh, c'est tellement triste! Non! Oh! Oh, Berserker! Et il est temps que la petite qu'il aimait meure. Il utilise ses doigts brûlants pour essayer d'ouvrir son torse et d'écraser le cœur qui réside à l'intérieur. L'ordre final vient de ces mots. Le héros qui ne peut résister. Il n'a pas la capacité de considérer cela comme une chose. Il ne reçoit rien, mais son propre âme, qui, ouais, juste la vie qui sort d'elle. Oh. Est-ce que tu me regardes, grand-père? Ta petite a réussi à atteindre la sensation du pardon. La petite qui l'avait protégée. Elle est dans cette tenue là. Le héros tombe sur ses genoux et The Shines. Shines, c'est quoi? C'est la lune? Non, pas le mien. J'ai pas le temps de lire. Ah, il y a moins dans sa conscience. Il dit elle est si magnifique. Et c'est tout? Genre, oh non, c'est tellement triste. Donc il a ordonné à ce qu'elle meure. Donc elle a ordonné à ce qu'il meure et elle a atteint le Advanced Field. Mais lui, il est... s'en fout, pour lui, c'était tout à fait normal. Game over. Oh merde. Ok. Allez, on met mon prénom. Les trois lettres. Hop. Voilà. C'est toujours ça dans les jeux comme ça. Je mets toujours les trois lettres de mon prénom. Game over. Non mais en vrai c'est... Voilà. Gameplay de Berserker, son ulti qui est assez sympa, assez simple à faire. Après sinon, bon, l'histoire était peut-être pas fou pour la fin. Une addition, ouais, bien sûr j'ai débloqué des trucs, les illustrations, hein, les caractères modèles. Oh, nice. Donc on va aller voir ça vite fait, genre c'est dans les extras si je dis pas de bêtises. Donc les illustrations bien sûr. Donc Saber, hein. Donc là je sais pas lequel me manque ici. Donc après l'épilogue, hein, ça c'était la fin de Saber qui était très... m'a rendu très triste. Même là il manque un truc. Parce que là c'est... Est-ce que je dois perdre? Je sais pas. Et ouais, bah, prologue, épilogue, ça rend tellement triste. Donc ouais, on a encore beaucoup de personnages, hein. On a les movies, on a les films et tout, hein. Bon là pour le moment je sais pas où sont les autres. Et les modèles de personnages, donc j'avais eu Saber, voilà, on va remontrer vite fait. Original pose, action. Bon. Ok, c'est juste pour montrer les modèles des persos en fait, pour voir plus en détail. Voilà, oh comme il est énorme! Ok. Bon bah en tout cas c'était l'histoire de Berserker, on va faire une histoire pour chaque arcade. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu, ça me fait plaisir, ça me motive et ça montre que vous me soutenez énormément, vous me soutenez et voilà, moi je le vois et ça me donne plus envie de continuer encore. Mais voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine, je vous remercie, sur ce je vous fais plein de gros bisous, sur ce ciao ciao.